Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc moi c'est Valéria si vous ne me connaissez pas. Donc voilà, donc ce serait une vidéo aujourd'hui un peu courte. Je voulais juste vous parler d'un traitement que j'ai suivi pendant 2 mois. Donc c'est un traitement qui m'a été conseillé par une vendeuse de chez Sephora. Voilà, donc c'est un traitement contre... Enfin, je ne vais pas dire contre l'acné, mais c'est un traitement clarifiant. Parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ben, je souffre d'acné, même si j'ai un traitement à long terme. Voilà, mais bon, on m'a proposé une gamme de produits. Donc c'est un trio. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un mois, 1 mois et demi de traitement, effectivement, les boutons que je pouvais avoir, etc., se sont estompés, séchés, ils ont simplement disparu. Donc je voulais ben, vous en parler simplement. Alors cette gamme s'appelle... J'ai pas mes lunettes, je suis désolée. Ça s'appelle... Voilà, c'est la formule SOS. Donc c'est en 3 parties. Alors, la première partie, donc je vous montre le tout avant et puis je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc c'est de la gamme clinique. Voilà, donc... Clinique, évidemment, on sait que c'est une marque réputée, reconnue et surtout très efficace. Alors, la première, le step one, voilà, step one, on va se nettoyer le visage avec une mousse nettoyante clarifiante. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, voilà, cette mousse va vous nettoyer le visage, ben, je trouve en profondeur sans vous assécher la peau. C'est vrai que parfois, j'ai tendance à utiliser des mousses nettoyantes et ça m'assèche terriblement la peau. J'ai même la peau qui me démange après. Mais avec ça, je trouve, en tout cas pour moi en ce qui me concerne, ça n'assèche pas. Donc, step one, clinique. Clinique, la mousse nettoyante. Voilà. Une fois qu'on a bien nettoyé son visage, qu'on l'a bien rincé et qu'on l'a essuyé, alors pas trop, hein, ne vous décapez pas le visage avec la serviette, ce serait une très mauvaise chose. Donc, ensuite, vous allez passer au step two. Donc ça, c'est la lotion clarifiante. Alors celle-ci, elle est, je ne vais pas dire qu'elle est biphasée, mais vous avez comme un espèce de dépôt blanc qui va se former au fond du flacon. Donc évidemment, tout ce qui est dépôt ou bien tout ce qui est biphasé, on secoue avant pour mélanger ben, les composants. Et puis, ben, vous allez vous nettoyer la peau. Alors c'est l'Anti-Blemish Solutions. Voilà, donc c'est une lotion clarifiante. Alors moi, ce que j'aime avec cette lotion, c'est que dès que j'ai passé le produit sur le visage, j'ai cette sensation de propreté, voire même de fraîcheur sur le visage. Donc je trouve ça, je la trouve vraiment géniale. Alors elle a une odeur particulière, ça sent pas le parfum, ça c'est vraiment particulier. Bon, on aime ou on n'aime pas, j'avoue que c'est, ouais, c'est un genre quoi. Bon, voilà. Mais super lotion. Et puis ensuite, vous avez la crème, step 3. Voilà, c'est la crème Anti-Blemish Solution toujours. Alors ça, c'est le traitement, c'est un soin purifiant, hydratant visage. Donc, voici. Et cette crème, justement, donc moi, je la mettais le matin et le soir. Et effectivement, au bout de quelques semaines, vous allez voir ces vilains boutons qui nous gâchent la vie. Ben, ils vont diminuer déjà grandement et puis ils vont sécher. Et donc au fil des lavages, vous allez voir, vous n'aurez plus rien sur le visage. Voilà, donc c'est vrai que l'acné a tendance à nous pourrir la vie. Malgré mes 48 ans bien sonnés, ben, écoutez, voilà, je souffre toujours d'acné. Ça, ce sera également le thème d'une prochaine vidéo parce qu'on a tendance à penser à tort qu'avec l'âge, en tout cas pour certains et certaines d'entre nous, l'acné va s'en aller. Ben, c'est faux, j'en ai toujours qui viennent m'embêter de temps en temps, malgré le traitement que je prends depuis déjà quelques années, mais comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai après. Donc voilà, donc je reprends rapidement. Donc, la mousse nettoyante clarifiante, étape 1. Ensuite, la lotion clarifiante de chez Clinique, étape 2. Et l'étape 3, la crème clarifiante. En tout cas, vous pouvez me croire, vous allez essayer, ça ne mange pas de pain. Alors c'est vrai que vous avez dû constater que je n'ai pas les full size. J'ai voulu tester compte tenu des prix des produits cliniques. Bon, j'ai déjà essayé tellement de choses pour l'acné. Donc le traitement de fond est excellent. Mais après, vous avez toujours des petits boutons qui peuvent apparaître.
donc par rapport au stress, au soleil, etc. Et ben, j'ai voulu tester, donc pour une bonne trentaine d'euros, vous avez ce traitement, moi qui m'a duré ben, plus de 2 mois, donc sachant que ça, la lotion, il m'en reste toujours. Bon, ces deux contenants sont vides, mais pour une trentaine d'euros, essayez. Et puis, si vraiment vous voyez que ça vous convient, sincèrement, je vous conseille d'investir dans ces produits parce qu'ils sont vraiment top. Voilà, vous voyez, je n'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!